Eh bien, bonjour à tous, c'est Dr. Horst. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege. Donc, on continue notre petite série. Alors, voilà, on se reprend bah, en fait de suite après, concrètement, par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on va continuer les situations. Donc, situation 6, Asset Protection, Protect the Asset from. Alors, ah non, mais c'est un assassinat là, carrément. Parce que j'allais dire, ça se trouve, on va juste changer de side par rapport au truc qu'on a fait avant, vous voyez? C'est-à-dire, si on était en attaque, on va se passer en défense, etc., etc. Mais en fait, non, là, c'est carrément encore autre chose. Donc, il faut protéger quelqu'un d'un assassinat, a priori. Donc, il faut le finir encore une fois avec plus de 50 points de vie. Ok, donc jusque-là, voilà. Utiliser une smoke remote grenade. Ah, on va avoir le perso, le smoke, je pense. Faut envoyer un. Ah, mais du coup, ça peut tuer quelqu'un, les grenades à gaz, comme ça. Faut tuer un ennemi avec ça, apparemment. Et barricader deux portes et fenêtres. Bien. Bah, ma foi, pourquoi pas, hein. Ça se fait, je pense. Attendez, c'est deux portes ou fenêtres, ou deux portes et deux fenêtres? Oui, c'est ou. Donc voilà. Voilà, donc j'ai ça et tu. Ok, allez, on va faire ça. Ça a l'air intéressant, ça. La map, on revient sur la première map. La toute première, donc qu'on connaît déjà. On connaît un petit peu. Asset protection is an essential skill. You need to hunker down and fortify your location from approaching hostiles in order to. Ouais, donc c'est un petit peu ça, on se retrouve quand même dans l'autre camp. Mais la mission, elle est un peu spéciale, puisque c'est une défense de personnes. Eliminating their ability to target the asset from long range. Gain a tactical advantage by creating choke points and eliminate hostiles as they approach your location. A member of the SAS, Smoke, is equipped with remote gas. Ah, voilà les gaz grenades, c'est ça que je voulais voir. Smoke's remote gas grenades are an effective ah ouais. deterrent to keep hostiles at bay. Ah oui, d'accord, ça pèle mal non plus du coup. On va le tenter, hein. Allez. Hostiles regrouping. Très bien, donc j'ai des smokes. Donc en fait, faut que je les pose avant. J'ai bien fait de voir le truc parce que je savais pas comment je faisais. Il faut que je défende ce mec en fait. Alors, voyez, moi, ce qui m'étonne, si je fais pas, ça continue pas. Ce qui m'étonne, c'est que du coup, faut que je défende un mec qu'on a quand même capturé avant. Je comprends pas trop l'idée en fait. Puisqu'a priori, c'est quand même notre otage. Mais il faut qu'on le défende, non pas qu'il prenne, mais de son assassinat en fait. Vous voyez, je pensais que c'était juste une prise d'otage, mais non. Donc, je comprends pas trop l'idée du truc. Bon, allez, on va fortifier du coup. Refuel, ok. De toute façon, je vais vous dire, je pense pas que. Je suis tout seul, je vais pas pouvoir renforcer grand chose. Après, il fallait que je fasse des portes et tout, donc je vais juste faire ça en fait au hasard, juste pour mettre la. Pour mettre mon. Ma mission. Keep the hostage safe. Hostiles approaching. Quand même, renforcer ça. Il y a que 4 ennemis, oh, c'est vrai, il y a quand même. Par contre, je les vois pas là. J'ai mal placé, hein. Ah, okay. Là. Ouais! Je sais pas si ça me touche à moi aussi, si ça doit me toucher aussi le gaz, faut que je fasse gaffe, j'ai un peu moins. Il fait sauter là. Tant qu'ils mettent la charge, hein, j'y vais. Mission succès, non? Ah non, il y a plusieurs vagues! Ah ok, moi qui utilisais tout en mode bourrin. Ah ouais, non, d'accord, faut que je fasse gaffe alors. Fortifie. Ah, mais je peux refortifier? Pas du tout en fait. En fait, c'est un gros fake, je peux rien faire là. Génial quoi! Attendez, c'est quoi mon G là? Ah, mais c'est ma cellule de nitro quand même que j'ai, ok. C'est-à-dire que j'ai les deux, j'ai le nitro et le gaz en fait.
Du coup, elle est très très mal placée, encore une fois. J'avais pas capté que c'était que ça, en fait. Ah, il m'a mis un message comme quoi si je quittais la zone, c'est-à-dire si je sors en fait du bâtiment dans 10 secondes, normalement c'est 5, mais dans 10 secondes j'allais être par les ennemis. Ce qui veut dire qu'ils m'auraient vu. Ils m'auraient vu en fait de loin. Ils auraient vu mon pseudo si vous voulez sur le map. Tiens, j'appelle, super. Reinforce the area. Hostiles regrouping. Bon, on voit ce qui risque d'arriver. On va mettre une cellule vers là. Et on va mettre un truc à gaz vers ici. Le reste, faudra que je le défende moi. Je peux pas trop renforcer. Hein. Je peux remettre. Si, là, je peux le refaire. Voilà. Hostile insertion, keep the hostage safe. Faut pas que je me trompe de touche. Là-bas c'est ça. Et là c'est ça. Mal placé. Il est résistant le mec. Donc ça veut dire qu'a priori il y a les prises d'otages en mission qui ont été rajoutées par rapport au... à avant, où il y avait que les bombes de défense attaque. Et a priori il y aurait aussi du coup les assassinats. Donc je sais pas s'ils seront en ranked ou pas. Mais pourquoi pas, ça change encore le... la façon de jouer. J'ai eu tous les objectifs, très bien. Ça m'évitera de la refaire celle-là. Très bien, très bien. Confirme, quitte la situation. Creating squad. Voilà. Du coup, on a neutralize. Ah, faut que je tue le. Bah, le terroriste. Bah, je pense que c'est l'élimination. Je pense que c'est la situation inverse qu'il faut que je fasse. Faut que je tue. Voilà, c'est encore un truc d'assassinat, je pense, là. Donc, 50 points de vie. Avant 5 minutes. Ah, il faut que je tue des trucs de nitro là aussi, ok. Je pense que c'est les points de nitro qu'ils ont dû mettre par-ci par-là, faudra que je les neutralise. Nouvelle map, si je dis pas de bêtises. Nouvelle map. Bah, c'est les cellules de nitro qu'il y a derrière qu'il faut que je neutralise par terre. They have heavily fortified the area with traps and explosives designed to destroy any trace of their organization. For this situation, IQ will be deployed. She can detect electrical signals. Ah, j'ai le IQ. D'accord, il peut détecter comme ça tout ce qui est électronique. Très bien. C'est lui que j'avais jamais utilisé, que je vous avais dit pour les opérateurs. Eliminate the terrorist. Je vais tester. Alors, comment ça marche? Voyons voir. On a. Ah, le hog est pas mal. Il est comme ça, j'aime bien. Ah ouais, il y a les maîtres et tout, énorme. En
fait, je comprends pas ce que je dois faire. Je vais juste enlever les trucs de Nitro ou... Tuer les terroristes, en fait. Je sais pas. C'est pas de ce côté. À travers, ça marcherait. Ah, celui-là, ça marche à travers, vous avez vu? Enfin, oui, parce que là, ce mur, ça passe à travers, c'est normal. C'est un bip de trop, je trouve, là. Est-ce qu'il y aurait l'ennemi dessus? Ah, ou c'est l'ennemi qui bip? Ça veut dire quoi, que je repérerai des ennemis? Voir si je le repère comme ça. Non, c'est pas lui que j'ai essayé. Non. Sait-on jamais s'ils ont de l'électronique sur eux? Je peux peut-être les repérer. On fait le tour. Après, je pense que j'ai pas à tout détruire en fait. Je dois juste. Pas me faire avoir. C'est blindé, c'est au-dessus. Je dois juste, je pense, tuer les ennemis du coup, donc ça. C'est juste une mission de. Une mission de ménage en fait. Voilà. Ah, je pense pas que je dois les activer. Par contre, j'ai plus beaucoup de temps pour trouver les autres ennemis. Il y en a partout là. Il doit pas y avoir d'ennemis ici. Possible, si. Non, là c'est l'extérieur, je pense pas. On va aller. On va aller là-haut. Je crois que c'était 7 minutes pour réussir ça. Reloading. 3 hostiles remaining.
Voilà. On va bourriner un peu plus. Ah, c'est ça, j'avais mal compris. Je pensais que je vais faire un assassinat au début, vu comme j'avais lu. Après, bon, j'ai bien compris qu'il y avait un nombre d'ennemis à tuer, vu la fin. Mais je pensais que... Enfin, j'étais pas sûr de moi. Ah non, c'est 5 minutes au lieu de 7. Je crois que j'ai fait 5 et quelques, parce que j'étais vraiment très lent. Ah, parce qu'en fait, après, je suis parti sur le truc de détruire toutes les cellules. Ça servait à rien. Ok, c'est ma faute. C'est pas grave, my bad. Après, c'était pas ma mission préférée, honnêtement, là, qu'on ait pu faire. Clearance level 2, ok. No intel, extract the stage from a heavily fortified. Ok, donc, normalement, il y a une zone fortifiée, faut que j'arrive à faire sortir un otage. 50 points de vie minimum, comme d'hab. Tuer deux ennemis avec une grenade, très bien, et faut faire une brèche avec la thermite, du coup, sur un mur renforcé. Ça devrait pouvoir se faire. Je pense qu'il y a moyen. Encore une nouvelle map. Ok, donc là, il nous explique les drones que je vous ai déjà expliqué. Ok, là où ils ont renforcé, donc je pense que c'est cette zone-là qu'on va faire sauter. On va essayer d'aller au-dessus. Au-dessus de la zone. Et voilà, on va faire ça. Ok, donc on va au-dessus de la zone, on fait sauter. Ah, préparation phase, ok, comme une vraie partie. Je connais pas du tout la zone, je peux rentrer par où déjà? Ok, là. Ok, il me faut un escalier. L'escalier est là. Faut trouver l'otage, j'ai plus beaucoup de temps, je connais pas du tout la map. C'est pas du tout là. J'ai 16 secondes. 10 seconds. Non, je peux pas le trouver. Hein. 5 seconds to insertion. We need to locate the hostage. Ok, je sais pas du tout où est-ce qu'il y a l'otage. On va passer par le toit direct. J'ai vu qu'il y avait une charge à faire sauter blindée. Au pire, si je la trouve, j'aurais peut-être la zone. Donc on va direct aller au plus haut. Ah, il me faudrait quand même une fenêtre pour rentrer par en haut. Ou alors peut-être qu'il y a un passage en haut sur le toit. Je sais pas, attendez. Ah, il y a un passage. Ok. J'ai quoi? J'ai des grenades. Non, un peu là. Ok, on est à l'étage. Au pire, je peux renvoyer mon drone d'ici. Wow. Je m'attendais pas à avoir ce style d'ennemi là. Je vais essayer juste de clear l'étage déjà. Et on va voir si j'ai un moyen de. Ok, c'est juste. Super précis. Ok, j'ai déjà la zone à casser là, regardez. Alors, plan d'attaque, ce qui serait cool, c'est que. On va se caler là. Normalement, j'ai clear l'étage. Plan d'attaque, ça va être d'envoyer le drone, d'essayer de passer en dessous. Je pense que c'est bon, ça doit être ça. J'essaie de passer par là-bas et ça doit être en face après. Normalement, ça doit être juste ici, derrière cette pièce. Est-ce que j'ai un moyen d'y rentrer autrement? Pas par là. Ok. Un ennemi là. L'otage est là-bas. J'ai deux ennemis ici. Ok, il a réussi à me le tuer. J'ai quand même deux ennemis là. Donc, ce que je fais, je mets la brèche. D'accord. Et ce que je prévois, c'est que je prévois de balancer une grenade. Faut que je fasse deux kills à la grenade. Il y a deux ennemis là. L'otage est assez loin pour que je l'utilise normalement. Je vais faire ça. Dans la bonne pièce ou quoi? Ah, je suis une pièce d'écart. Boum. Pas boum.
Ah, en fait, je suis en plein ma pièce de l'otage, en fait. En fait, j'ai balancé mes grenades sur l'otage, hein. Clairement. Mec, il veut pas du tout faire ses kills comme ça. Écoutez, tant pis. Je me demande si je peux tuer l'otage avec toutes les grenades que j'ai envoyées. I got you. Everything's gonna be okay. J'ai pris beaucoup de vie par contre là. Hostiles approaching. Keep the hostage safe. Stay behind me. Je suis en train de chercher, j'ai pas beaucoup de moyens de m'enfuir. Hein. Je vais prendre vraiment cher hein, sur le chemin. Pas une fenêtre ouverte en plus. Hein. Et ouais, au pistol là, c'est chaud. L'autre là-bas. J'ai un peu déconné là. Sur cette game. Tenter. Je vois même pas le non, je suis bien, faut pas faire gaffe au sang et tout. Ouais, c'est quoi? Okay. Well done. Hostage extracted. Bon, mission easy, bien sûr. Non, c'est vraiment moi qui ai déconné. En plus, j'ai vraiment déconné parce que j'ai sondé les mecs, vous savez. Je sonde les mecs et genre, j'envoie mes grenades et tout. Et puis en fait, j'ai envoyé toutes les grenades sur le sur l'otage. Heureusement qu'il est pas mort. Et je vous dis, je sais pas du tout si on peut tuer un otage. Ce serait le coup à faire le test. Bon, honnêtement, je vais pas faire le test, je vois pas l'intérêt là. Mais je pense qu'on peut le tuer. Honnêtement, je pense qu'on peut le tuer. Eux ne doivent pas pouvoir, mais nous on doit pouvoir le tuer. Ouais. Et du coup, ça risque de faire un fail de mission si jamais je le fais. Ce serait le truc à tester pour savoir hein, si on est en ranked, si on peut vraiment envoyer toutes les grenades qu'on veut, par exemple dans la pièce de l'otage, ou s'il faut vraiment faire gaffe à l'otage. Mais vu que c'est un jeu réaliste, je pense que ça doit pouvoir se, on doit pouvoir le tuer. Mais bon, on fera le test comme d'habitude. Je pense que je le ferai en hors vidéo. Je vais pas vous embêter avec ça. Et quand je saurai, du coup, je vous le dirai. Au pire, il me suffit de refaire la mission et de tester. Hein. Mince, j'ai pas lu du tout ce qu'il fallait faire. J'ai pas lu hein, cette mission. Ok, c'est une défense déjà. Après, c'est possible que dans ces missions-là, ça marche pas pareil qu'en ranked ou qu'en casual. C'est-à-dire en multijoueur, quoi, déjà. Ok, c'est des pièges. C'est-à-dire que ça se trouve en multijoueur, on peut pas. Ça se trouve en multijoueur, on peut tuer le mec, alors qu'en solo, on peut pas quoi. Et là, par exemple, Friendly Fire moins 5. Ouais, c'est pas tip-top quoi. Score moins 10, oui. Mais est-ce que je peux le tuer? Ouais, vous voyez. Là, par exemple, j'ai tué l'otage et on a perdu la mission. Donc je pense que c'est faisable, même dans l'autre on doit pouvoir le tuer. Donc je l'ai fait là parce que c'était vraiment le début de la mission, donc c'est facile à tester. Ça veut dire que normalement je pense qu'ils ont quand même pas mal de vie. Peut-être que les otages ont un peu moins de vie. Les otages ont sûrement un peu moins de vie. Puisque, enfin les otages qu'on doit libérer vraiment et pas assassiner. Parce que là c'est un assassinat donc c'est logique qu'il en ait pas mal. Ok.
Alors, renforcer deux voies, un trapdoor, kill deux ennemis. Je pense qu'il faut que je tue des ennemis avec les pièges. J'en ai deux. Alors, est-ce que je peux poser? Ouais, je peux en mettre un là. Mais c'est un petit piège. Vous voyez qu'il ressort quand même le piège de l'autre côté, on voit ça. Et quand il y a ça de ce côté, ces petites traînées, il suffit de se mettre sur le côté là et de tirer et on arrive à l'avoir. C'est pas compliqué. Mais bon. D'ailleurs, je sais pas si on peut pas les mettre plus haut. Je pense qu'on peut les mettre plus haut les trucs. Ah non. Aux fenêtres, ça se met au milieu en fait, c'est tout. C'est parce que c'est les fenêtres, je pense. Attends, on va les laisser venir. Par là. Reloading, watch my back. Allez, bim. Y avait pas un piège? Ah, ils ont détruit mon piège. Hostiles eliminated. Hostiles regrouping. Secure the area. Il n'y a pas moyen, je vais tuer un mec avec mon piège, moi. Ah, c'est des bots, quoi. On pourrait s'y prendre dedans. J'en ai plus. Faut espérer que ça marche. Ah, si je refuel, peut-être ça revient. Keep the hostage safe. Hostiles approaching. Non. J'aurais pu regarder caméra aussi avec la parenthèse. Ah, j'ai eu un mec avec un piège. Je suis pas bien. Là, je voulais m'amuser un peu à regarder les caméras. Et en fait, si je laisse appuyer sur X, pareil, je peux scanner. C'est comme les drones. C'est ça que je voulais vous montrer en fait dans la game. Ouais, vous appuyez sur la parenthèse, hop, vous changez et vous scannez. What? Pourquoi Lost? Hein, ça avait déjà repris, il est mort. Oh l'idiot. Ok, je me suis loupé du coup là-dessus. Oh, ça va, ouais. On va retenter. Du coup, s'ils font sauter ce mur, on va essayer de le... Reinforce the area. Hostiles regrouping. Alors, je sais pas s'ils vont le jouer pareil ou pas, du coup, mais on va essayer de le fortifier. Après, le problème, c'est que là, ils peuvent faire sauter l'autre en face, ce qui est pas mieux. Franchement, c'est pas mieux du tout. On va faire ça. Si ils arrivent par là encore, hein. Four has eyes on the hostage. Hostage down by hostiles. Three hostiles left. On est déjà à terre. Ah d'accord, c'est comme ça en fait. Quand il injurait. Ah ouais.
We've revived the hostage. En fait, c'est ça, il est à terre et ensuite faut le soigner. The threat has been eliminated. Okay. Du coup, est-ce que là il a repris toute sa vie maintenant? Je sais pas. Et est-ce que je peux le déplacer? Non, secure the area. Mettre un trap là. On va en mettre un de l'autre côté. J'en cale un ici pour voir. Hostile insertion, keep the hostage safe. Faut que je reste trop près de l'explosif, par contre s'il explose le mec. J'entends en face, mais au-dessus de moi non. Non. Ils vont aller direct à l'otage. Ok. Hostiles regrouping. Secure the hostage. Bah par contre, quand j'ai loose la mission, je crois que ça m'avait rempli un objectif, non, quand même. Celui d'exploser avec le trap. Donc au pire, j'ai déjà fait cet objectif, quitte à loose en fait. S'il manque un objectif, vous faites l'objectif vite fait, vous loosez et ça va vite. Ok. Bon, allez, plus qu'un truc. Normalement, j'aurais la gagnée, celle-là. Ça va être plus faisable que tout à l'heure. Faut que j'écoute par où ils arrivent. Tant pis pour les caméras. Keep the hostage safe. Hostiles approaching. Alors ça arrive d'où là? Je vous entends pas. Si. De ce côté, il peut faire sauter le mur, donc ça m'embête. Et ça va arriver par là en plus. Super ça. Là, on est bien là. Op 4 eliminated. Mission successful. Ah, c'est pas mal. On est bien. J'en étais où? Il me manque une mission, non, juste une ou deux, je sais plus. Et en plus, sur le coup, vous voyez, je débloque tout ce qui me restait, donc j'ai pas mal géré. Pour le deuxième. Escape menu. 4600 points de renommée, c'est pas mal hein, quand vous voyez qu'il faut 500 pour débloquer un perso, c'est pas mal. Comme ça, dès que j'arriverai, en plus je suis que level 2 du coup, non ça vaut le coup de le faire. Voilà, on est à la dernière mission, donc c'est un hôtel, je fais encore entre les deux, c'est un otage à libérer, d'accord, 50 points de vie toujours. Disable one bomber device et 5 ennemis gadgets, très bien. Très bien, très bien. Et après, il manquera 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y aura 5 missions sur 10, déjà, que j'ai pas géré entièrement. Bon, dont 3, il manque juste les 50 points de vie, donc ça peut se gérer. Ou les 5 minutes, ouais. Je les referai quand même pour que tout soit nickel. Et après, je les retenterai sûrement en réalistique aussi. Histoire de me réentraîner un petit peu. Donc, s'ils appellent ça une forteresse, ça doit être bien blindé, le truc. Many have been equipped with a bomb vest. C'est le genre de truc imprenable. They have planted clusters of nitro cells and choke points throughout the chalet. Mais lol. Thatcher's EMP grenades can disable electronic detonators. Ah, EMP. Donc ça, c'est le mec qui envoie sa grenade qui désactive tout. Bon, moi, les grenades, parce que me fail un peu, mais c'est parti, sympa. En plus, j'aurais joué des persos que j'utilise pas généralement. Donc ça me va. Alors la map, encore une nouvelle map, c'est très bien. Bah, c'est une map enneigée qui a l'air plutôt cool. Ma foi.
Est-ce que j'ai un point de vue d'ici? Est-ce qu'on se fait un point de vue d'ici? Je peux pas sauter là. Voilà. Ah mais elle est assez grande en fait la map, je la voyais petite. Parce qu'elle est en deux parties. Moi je voulais tirer là-bas alors qu'au final l'objectif est de ce côté-là en plus. Pour pouvoir passer en rappel par là. Non? Ah non parce que le toit est pas... Ah ouais. Ah ouais, y a pas de rappel. Là y en a. Et ouais parce qu'il y a la rambarde, mais là-haut à cause du toit je peux pas. Ce qui fait qu'il y a des fenêtres, mais qui me servent à rien de ce côté. Ok. Dac. Ah non, c'est pas ça. Ah mais ça c'est une charge, oui. Ok. Ah oui, il a une charge aussi, d'accord. Très bien. Ouais. Ça aide. Décidément, j'ai le chic pour tirer sur les alliés. Je crois que j'ai tiré sur l'otage encore. Bah, du coup, la mission est pas si compliquée que ça. Hein. Secure room package. Hostage secured. Extract the hostage. Keep the hostage safe. Hostiles approaching. Bien faire le tour ici. Pour rester safe. A noter que je peux lâcher a priori l'otage. Hein. On marque la touche. Donc si jamais il y a trop d'ennemis qui m'arrivent dessus, ça peut valoir le coup de le lâcher et de tirer. Parce que je pense que même eux ne doivent pas tuer l'otage au risque de perdre leur mission. Donc on peut limite s'en servir d'un bouclier, je pense. Je suis perdu en courant dans le dans la flash. Mec pas loin de moi là. Ah, je peux pas rentrer dans l'hélico pour me cacher. Le mec a essayé quand même. Bon tant pis. Disable one bumper. Ah ouais, ouais, j'ai oublié ça. Tant pis. Eh bien voilà, voilà, on a fini toutes les situations. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour nous apprendre un petit peu le jeu. Je pense que c'est le truc à faire. Ça nous donne les principes de base. Et même au niveau des touches, ça permet de s'y faire un petit peu pour ceux qui connaissent vraiment pas le jeu. Même moi, en ayant joué à la bêta, c'est vrai que ça m'a appris des choses qu'ils ont rajoutées. Et en plus, ça nous aura montré des maps. Et ça m'aura remis un petit peu dans le bain aussi. Donc c'est pas mal. Ah, article 5, what? C'est quoi ça? We have an active situation. The nature of this threat will require a full strike. Ouais, parce qu'il reste un dernier truc apparemment. You're being deployed. One of our most notable institutions of learning is under siege. This is more than just an attack on our soil.
This is an attack on our future. We know that all first responders have gone silent. We confirm numerous casualties due to the release of an unidentified biochemical weapon. Your newly assembled Rainbow team faces a trial by fire against an unknown number of enemy combatants. You're to be inserted directly into the hot zone. We will have decontamination crews on standby. Your orders are to eliminate the threat and rescue any survivors you may find. This is why Rainbow was formed. This is what you all have trained for. Et nous voilà arrivés. Your time is now. Pas mal du tout. J'aime bien la cinématique. Ah, faut rejoindre une équipe pour faire ça? Ouais, mais est-ce que je vais trouver là? What? Y'a rien à faire en fait. We have an act. Je sais pas si ça va planter ou si c'est juste qu'il y a rien à faire. Non, apparemment, il y aurait rien à faire. Ok, c'était juste une cinématique, ok, je sais pas. Ou alors c'est parce qu'il y a personne qui l'a fait en même temps, je sais pas du tout. Bon, j'ai l'impression qu'il y a rien à faire, de toute façon il y a rien de spécial comme les autres. Bon, bah écoutez, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, on a fini les situations, donc j'en ai fait... Et non, regardez, j'en suis à 10 sur 11 complete. Donc normalement, l'article 5, je pense qu'il faudra que je le fasse. Après, c'est peut-être ça, il faut peut-être que j'attende un peu qu'il y ait plus de gens dessus, puisque le jeu vient de sortir vraiment, et d'ailleurs il est sorti un peu avant... avant la date annoncée. Donc ça se trouve, le temps que les gens fassent les situations, tout ça. Ça se trouve, il n'y a personne qui fait l'article 5 en même temps que moi, donc je trouve personne, je ne sais pas du tout. Dans tous les cas, de ce que je vois là, il me manquerait une situation, donc ça doit être celle-ci. Des objectifs, il m'en manque 8. Logiquement, les 8 qui me manquent, ça doit être bien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est les étoiles qui manquent, donc ça, je vous ai dit que je les ferai. En solo, voilà. Après, je pourrais les faire en réalistique, donc en réaliste pour voir un peu la difficulté. Et puis voilà. Donc là, ce qu'on va faire, je pense que... Voilà, après, on peut se faire du Terrorist Hunt en solo ou en matchmaking. Du coup, je pense que j'ai vu pas mal de maps déjà, mais je pense qu'on s'en fera quand même pour voir s'il y a quelque chose qui a changé en Terrorist Hunt. Et voilà. Ben, en fait, je pense que concrètement, on fera une prochaine vidéo où je ferai une partie en Terrorist Hunt. Je verrai si je la fais en solo ou en matchmaking, on verra. Et ensuite, on se fera une partie en multi, en casual. Voilà, donc ce sera une vidéo qui fera deux parties en gros là-dessus. Et suite à ça, j'essaierai de monter level 5, donc je pense que je referai mes situations. Et dès que je suis level 5, bah, je testerai en custom game, je verrai de mon côté. Et s'il y a de quoi vous montrer quelque chose d'intéressant, je vous le ferai en vidéo aussi. Peut-être s'il y a des nouvelles maps encore qu'on n'a pas vues, s'il y a bah, des choses à customiser sympas et tout, enfin que ça peut faire une vidéo, je le ferai. Et sinon, bah, en gros, ça veut dire qu'il ne resterait plus qu'une vidéo en gros pour cette mini-série tuto découverte, enfin, de vraiment les bases du jeu. Il resterait juste un épisode après, et du coup on aurait fait le tour des choses à faire, et après on pourra attaquer du coup notre série directement en ranked, qu'on fera très certainement aussi avec Rebirth, qui devrait avoir le jeu d'ici quelques temps, par contre d'ici quelques semaines. Alpha l'aura, lui par contre, lui il a déjà le jeu, donc on pourra y jouer très rapidement avec lui, et on verra après si on a d'autres joueurs et tout, ça peut être sympa aussi d'être une vraie équipe là-dessus, voilà. Après
Ouais, non, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis on se retrouve donc pour le prochain épisode en Terrorist Hunt et en multiplayer, en casual, pour voir un petit peu ce qui a changé ou non. Voilà. Aussi, j'ai envie de voir si. Bah si du coup en casual, par exemple, s'il y a les prises d'otages et tout ça en plus, ou s'il y a toujours que les bombes ou autre, quoi. Je pense que logiquement, il doit y avoir toutes les maps, prises d'otages et tout ça. Mais on va voir si on peut sélectionner quelque chose ou non. Enfin bref. Allez, bah écoutez, on voit ça de toute manière dès la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.